Shalom, 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 ma famille. Soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Que la main de Yahweh, mon Dieu, soit sur vous. Bien-aimé, dormir, c'est normal. Se réveiller, c'est tout un miracle. Se réveiller, c'est être élu. Se réveiller, c'est être choisi par Dieu d'être compté parmi les vivants. Ce n'est pas par ta grâce que tu peux dormir et te réveiller. Ce n'est que par l'amour de Dieu, bien-aimé. Ce n'est que par la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que tu es compté parmi les vivants. Alors il y a de quoi que tu te réveilles et que tu dises alors l'Éternel merci. Maman, tu peux pas commencer ta journée. Papa, tu peux pas commencer ta journée sans pourtant que tu puisses mettre tes genoux à terre, lever tes mains et dire à l'Éternel Seigneur merci. Seigneur merci. Maman, va adorer l'Éternel. Va l'adorer, va commander ta journée, va donner l'ordre à ta journée, va parler à ta journée, va regarder ta journée, dis quelque chose à ta journée. Va alors parler pour que tu puisses vivre le succès. Tu as besoin de parler en ce jour afin que les miracles s'opèrent. Tu dois savoir que tu dois toujours commencer l'ambiance de ta journée par dire merci à l'Éternel. Parce que lorsque tu ouvres tes yeux, tu peux voir en couleur. Lorsque tu ouvres tes yeux, tu peux voir alors ta journée colorée. Alors, lorsque tu pries, l'Éternel va t'accompagner. Commence toujours ta journée avec Dieu. Commence toujours ta journée à dire à l'Éternel de te conduire. Commence à dire à l'Éternel d'être avec toi tout au long de la journée pour que les miracles s'opèrent bien. Aimés. Au moment où nous nous réveillons, nous nous choisissons alors notre journée. Si tu veux que ta journée soit bonne, si tu veux que ta journée soit fatiguée, si tu veux que ta journée soit fade, tout dépend de toi. Dieu t'a donné la capacité. Dieu alors a répandu tes pieds, tu peux te lever. Dieu alors a répandu tes mains, tu peux les bouger, tu peux le mettre à seul, à terre. Alors c'est l'idéal. Pense positivement. Pense alors, médite la parole de Dieu. Prends le temps de dire à l'Éternel Seigneur merci. Mets-toi dans la présence de l'Éternel. C'est là où les miracles s'opèrent. Quel que soit le mauvais rêve que tu as fait, quel que soit le cauchemar que tu as fait, quel que soit là où tu te retrouves, lorsque tu te réveilles le matin, salue le Seigneur, dis bonjour mon Seigneur, salut Éternel, commence à l'adorer, adore le Éternel, dis alors à l'Éternel Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa nous saluons Éternel ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms éternels, nous bénissons ton Saint-Nom Yahya pour la vie que tu nous as accordée, pour la vie éternelle, pour les mots, nous pouvons ouvrir nos bouches éternelles et parler, Yahya nous te disons merci, merci Éternel Dieu des miracles, merci Éternel parce que tu as donné la force à nos pieds, à nos mains éternelles, à nos yeux de s'ouvrir. Nous pouvons te dire merci, ô Éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, l'Éternel, Dieu des armées. Va l'adorer. Dis, Seigneur Jésus, je t'adore, Éternel. Je t'élève au-dessus de tous les noms. Qui est comme toi, Éternel? Tu es le seul et l'unique véritable Dieu. La manne cachée, le soleil élevant, le soleil de justice. La force des faibles, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, Yandarabo Shakababa, l'ancien du jour, c'est toi, Éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Nous élevons ton Saint-Nom éternel. Toi, le Dieu incomparable. Toi, le Dieu sans pareil. Toi, le Dieu qui fait dormir et qui réveille éternel. Je bénis ton nom au-dessus de tous les noms éternels, mon Dieu, mon roi, parce que tu as permis aujourd'hui que nous puissions nous réveiller. Yaya, imparfait que nous sommes éternels, mon Dieu, mon roi, je viens te demander, Seigneur Jésus, de nous pardonner et de nous laver par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Yaya, pardonne-nous, Éternel. Que ton sang vienne nous laver, Éternel. Que ton sang vienne nous flasher, Éternel. Que ton sang, Éternel, vienne pour nous donner la force de prendre le contrôle de ce jour, Éternel. Si nous ne confions pas notre journée à toi, à qui allons-nous confier notre journée, Éternel? Qui pouvait nous réveiller? Qui pouvait, Éternel, mon Dieu, mon roi, permettre que nous puissions voir ce jour, si ce n'est pas toi, ô Dieu des armées? Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens demander à ton sang de prendre le contrôle, Éternel, de la vie de tes enfants, de prendre le contrôle éternel, de corps, de l'âme et de l'esprit éternel, et que toi seul tu puisses être élevé. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton amour éternel. Merci pour ton amour éternel. Je demande maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang se lève pour nous. Que ton sang, éternel, mon Dieu, mon roi, se lève pour nous localiser de partout là où, éternel, papa, tes enfants sont. Seigneur, que ton sang se lève, éternel, pour les localiser, pour les voir, éternel. Là où, papa, tes enfants sont, que ton sang, éternel, parle en leur faveur. Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons que toi comme Dieu. Nous n'avons que toi comme Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang se lève pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et nous justifier dans le nom de Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Père de grâce, en ce jour éternel, nous avons besoin de toi. En ce jour éternel, nous voulons marcher avec toi. En ce jour éternel, nous t'offrons éternel cette journée. Prends le contrôle, papa, et la direction, papa, de cette journée. Seigneur Jésus, nous t'offrons éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous allons rencontrer en ce jour. Laisse que toi tu sois le maître suprême. Laisse que toi tu sois le gardien par excellence. Laisse que toi tu puisses régner éternel. Nous nous donnons tout à toi, éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur, pour que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, éternel, mon Dieu, mon roi. Yaya, si nous sommes là aujourd'hui, nous voulons que le travail éternel, papa, du sang de l'agneau immolé, rentre dans nos vies, dans nos mariages éternels, rentre éternel dans nos ventre, rentre éternel, ce pourquoi nous sommes en train de te prier, afin que ton nom puisse être élevé. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu n'agit comme toi, aucun Dieu Yandarabo Shakababa ne protège comme toi. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu, celui qui ne sommeille ni ne dort. Que ton sang éternel flash nos vies, que ton sang éternel, papa, nous lave, nous purifie, nous sanctifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as dit éternel, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tapisse papa nos chemins, Yandarabo Shakababa. Nous voulons dominer cette journée éternelle. Nous voulons commander dans cette journée éternelle. Nous voulons prendre éternelle autorité dans cette journée éternelle. Voilà pourquoi éternel, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, Yandarabo Shakababa, par la puissance éternelle de Psaume 91, verset 1 à 16 éternel, tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu éternel, papa. C'est en toi que nous nous confions. Viens prendre éternel le contrôle de cette journée. Que le psaume 95, que le psaume 16 éternel nous garde éternel et se lève pour nous. Je viens dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au milieu de nous éternel, je prends l'autorité en ce jour. Oui, Seigneur, je prends l'autorité en ce jour. Aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, Yandarabo Shakababa, je tire nos forces éternelles des cieux, au nom puissant de Jésus, et je confesse, je déclare et décrète maintenant, c'est le jour que le Seigneur a fait, c'est le jour que l'Éternel nous a donné pour nous réjouir, afin de gagner, afin de commander, afin d'aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète éternel qu'en ce jour, tous les éléments de la terre éternelle coopéreront, papa, en notre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète maintenant que la force fondamentale éternelle, Yandarabo Shaka, qui ne veut pas nous voir bénis éternel, refusera de coopérer dans le nom de Jésus. Je parle au soleil, à la lune éternelle. Je parle à la terre maintenant d'obéir et de mettre en action la parole de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ce jour, je viens annuler, Yaya, frapper, papa, la confusion, le chaos, tout pouvoir maléfique éternel, papa, qui veut voler nos bénédictions, nos miracles éternels que toi tu as réservés pour la vie de tes enfants. Reçois le feu au nom de Jésus. J'annule éternel tous les mauvais rêves, les songes, les envoûtements que j'ai connus, papa, la nuit. Je les rends nuls et sans effet. Va prier, maman. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever dans le nom de Jésus alors que le sang de Jésus-Christ est en train d'agir dans ma vie. Je renverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute force, toute puissance qui a pris le dessus ou le dessous de ma vie dans le nom de Jésus. Tout pouvoir maudissant ma destinée, maudissant ma vie, je vous rends nul et sans effet aujourd'hui au nom de Jésus. Je refuse éternel de perdre, je refuse éternel de tomber, je refuse éternel, papa, de mourir. Le diable, c'est un menteur. Tout mensonge éternel qui se lève dans la vie des vainqueurs, dans la vie des femmes de foi, échoue lamentablement. Je déclare et décrète, voici le jour que l'Éternel a choisi, où, Seigneur Jésus, les tests de grossesse de tes enfants seront positifs éternels, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète en ce jour éternel, va dire à l'éternel, tu vas exceller là où tu es, tu vas exceller, vous allez exceller, vous irez de l'avant, vous allez posséder les portes de vos ennemis. Le Seigneur te oint aujourd'hui de l'huile de joie au milieu de tes collègues, au milieu de tes amis. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle toute fondation maléfique qui parle contre ta vie, qui parle
parle contre tes oreilles, qui parle contre ton avancement, by fire, by force. Que tes oreilles, alors aujourd'hui, je déclare et décrète, entendront que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, tu n'écouteras que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, ta vie change. Aujourd'hui, ta famille est assurée. Au nom de Jésus, la sécurité de ta famille est assurée. Que tout point de contrôle monté contre toi, monté contre ton mariage, monté contre ta vie, monté contre alors ta fertilité, reçoit le feu. Tout hôtel maléfique alors préparé contre tes percées dans les cieux en ce jour, soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète, en ce jour, toi tu iras de l'avant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout mauvais sort qui sera tiré contre toi sera voué à l'échec, dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel rentre dans ta vie maintenant. Oui, rentre dans ta vie maintenant. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu te donne le pouvoir d'accueillir la sémence du succès, la sémence des miracles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel permette que tu puisses atteindre tes objectifs en ce jour. Là où tu as été refusé la semaine passée ou hier, aujourd'hui tu seras accepté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens bénir ta vie. Au nom de Jésus-Christ, voici le jour que l'Éternel a fait, où tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Yandarabo Shakababa. Où tu vas rencontrer l'homme de ta vie, où tu vas rencontrer celui qui va t'aimer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens faire tomber toutes les barricades devant toi qui t'empêchent de rire, qui t'empêchent de rentrer dans la gloire. By fire, by force, yandarabo shakababa, koriana mana shikemeneke, yandarabo shakababa. By fire, 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 fire. Tout ce qui est de toi qu'on a détenu dans le séjour des morts, maintenant que je suis en train de parler, je le libère by fire, by force. Je le libère by fire, by force. Je déclare et décrète dans ta vie maintenant que tu es sauvé. Tu es déclaré alors vivant. De la même manière que tu es déclaré vivant. De la même manière que tu iras de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra faire tomber ta tête. Personne ne pourra te faire pleurer. Je bannis les mauvaises nouvelles de ton chemin. Je bannis les mauvaises nouvelles sur ta route. By fire, by force. Yandarabo shakababa. Riana mana shike rababa yenderebere shike fire 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 fire. Que la journée d'aujourd'hui l'Éternel t'accompagne, que la journée d'aujourd'hui l'Éternel soit avec toi, que la journée d'aujourd'hui l'Éternel aille avec toi où que tu iras, que l'Éternel soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise qu'en ce jour tu vas aller de l'avant. Je prophétise qu'en ce jour tu vas signer des contrats inattendus. Je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth à toute mauvaise connexion, à tout mauvais contact qui s'attache à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'alliance éternelle du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que l'Éternel combattra pour toi, pour anéantir alors tout bras plus fort que toi, plus puissant que toi, qui va chercher à te faire pleurer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis la légalité de l'alliance perpétuelle d'Abraham dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la vie de ta descendance. Je renonce et je brise à toute alliance négative cachée dans la fondation de ta vie par le sang de l'agneau immolé. En ce jour, je déclare et décrète que tu iras de l'avant. Commence à prophétiser sur ta vie, commence à parler sur ta vie. Moi, je prophétise que tu vas gagner. Moi, je prophétise que tu seras considéré. Moi, je prophétise que tu vas tester positif. Je déclare et décrète que l'Éternel étend tes limites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète Yandarabo Shakababa que la mort ne te surprendra point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que l'Éternel rétablit l'harmonie entre toi et lui au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que tu vas prospérer. Tu iras de progrès en progrès, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de miracle en miracle, d'excellence en excellence. En ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que tu appartiens tout ton corps, ton âme et ton esprit au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé par le biais du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que la main de mon Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, tu dois signer des contrats. Tu dois aller avoir ce CDI. Tu dois avoir ce permis de conduire. Tu dois avoir ce titre de séjour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va de l'avant et réussis. La considération rentre dans ton couple maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles s'opèrent. Toutes tes bénédictions retenues hier, aujourd'hui sont libérées. By fire, by force. Reçois la grâce
Reçois la faveur. Reçois. Que le soleil puisse obéir en ce jour. Que le soleil puisse obéir en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aime la vidéo s'il te plaît. Abonne-toi et partage. Et mon Dieu te bénira encore davantage. Que Jésus-Christ te bénisse puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom.